dossier n'est vraiment pas bien complet de la part des défenseurs de cette loi ou de ceux qui proposent cette loi sur le plan 1 des conséquences, qu'elle soit maternelle pour les grossesses suivantes et qu'elle soit également du côté technique de l'interruption, je dirais, tardive. Quelque chose qui est important à savoir, ça pourrait apparaître secondaire comme argument, mais ça doit rentrer là dans la discussion, c'est qu'une interruption, évidemment, au-delà de 14-15 semaines, est quelque chose de techniquement compliqué, qui n'est pas sans risque pour la mère au moment de l'acte et également pour leur grossesse ultérieure. Donc, peu de gens se rendent compte qu'une interruption au-delà de 16 semaines, comme elle est pratiquée actuellement dans les autres, dans les pays qui le font, comme la Hollande et l'Angleterre, il s'agit bien de dilater le col de l'utérus. Donc, dilater un col de l'utérus mécaniquement est quelque chose qui peut abîmer un col et donc entraîner un risque de fausse couche tardive et d'accouchement prématuré pour les grossesses ultérieures. Et puis, il s'agit très clairement de sortir le fœtus en morceaux, puisqu'il ne s'est pas passé à la taille qu'il a, donc au-delà probablement de 200 grammes, voire jusqu'à 400 grammes si on va jusqu'à 20 semaines. C'est clair qu'il faut sortir le fœtus en morceaux. On a un peu du mal à avoir des précisions sur comment il s'assure qu'avant le curetage, le fœtus ne vive plus. Pas besoin de faire de dessin sur l'importance de cela. Et on n'a pas la réponse non plus sur ce que perçoit un fœtus à cet âge-là. Mais que ce soit cette technique médicamenteuse ou que ce soit une aspiration curetage, ça reste des actes qui médicalement comportent des risques. Nous sommes ici en centre universitaire, on a beaucoup de cas d'interruption médicale de grossesse, donc pour des problèmes soit fœtaux graves, soit maternels graves, et donc on sait un petit peu de quoi on parle par rapport à ça.